tout le monde. Parfait. Oui, on part. Oui. Alors, bienvenue à cette 526e... Oh, attendez, je suis à la bonne place. Oui, 526e séance ordinaire du conseil municipal qui a lieu aujourd'hui le 3 juin à 19h32. Au lieu habituel des délibérations et qui est diffusé sur la page Facebook de la Ville ainsi qu'en différé sur son site web. Ne pas oublier aussi qu'il est diffusé sur les ondes de TVC9 le jeudi soir puis vendredi après-midi. Alors, si vous voulez bien, nous allons procéder tout de suite à l'adoption de l'ordre du jour. Ce sera proposé par... Par moi, Mme la mairesse. Donc, il est proposé que l'ordre du jour de la 526e séance ordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or, qui est tenue aujourd'hui, le lundi 3 juin 2024, à 19h33, au lieu habituel des délibérations, et comme vous l'avez dit, diffusé sur la page Facebook et à d'autres endroits, soit adopté tel que rédigé avec la modification suivante. Donc, on retire le point 6.3 pour complément d'information. J'en fais la proposition. Parfait. Je vous remercie, M. Turcotte. Alors, ce sera appuyé par... Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Lavoie. À l'item 2, il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 21 mai 2024. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition, Mme la mairesse. Donc, le procès-verbal de la 525e séance ordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or, tenue le mardi 21 mai à 19h32, au lieu habituel des délibérations, est diffusé sur la page Facebook ainsi qu'en différé sur son site web. Soit y approuvé tel que rédigé. J'en fais donc la proposition. Je vous remercie, Mme Laverdière. Ce sera appuyé par... Par moi, Mme la mairesse. Merci, M. Rodrigue. À l'item 3.1, explication par la mairesse sur les projets de règlement 2024-27 et 2024-32 et consultation des personnes et organismes désirant s'exprimer sur le sujet, s'il y a lieu. Le projet de règlement 2024-27 vise à amender le règlement 2014-14 dans le but d'autoriser spécifiquement les usages 661-services de construction et d'estimation de bâtiments en général, 666-31 services de plomberie de chauffage, de climatisation et de ventilation entrepreneurs spécialisés, 66-41, qui est pour les services des travaux de toiture, 66-42, services de pose et réparation de parements métalliques et autres, 66-45, pose de carreaux de céramique, de marbre, de mosaïque, de pierre et de terrazzo, et 66-48, services de pose de portes, de fenêtres et de panneaux de verre dans la zone 893-CB, qui est située dans le secteur de la 3e avenue S. Et je viens de réaliser que j'avais-tu un paragraphe à lire, Madame la greffière, avant l'expliquer? Après, oui, vous avez raison. Ben, au moins, j'ai pensé à peu près dans le bon temps. Alors, l'objet de ce règlement est tel que ci-dessus mentionné, il vise à autoriser les usages mentionnés ci-dessus. Le projet de règlement 2024-32 vise à amender le règlement 2014-14 dans le but d'en modifier diverses dispositions générales. L'objet de ces règlements est tel que ci-dessus mentionné. Il vise à établir les normes de construction et d'implantation des poulaillers et enclos extérieurs dans le cadre de la nouvelle réglementation visant à autoriser les poules pondeuses. Ces projets de règlement contiennent des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës afin qu'un règlement qui les contient soit soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Alors, pour être valide, toute demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient, être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 8e jour suivant la date de publication de l'avis public, être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. Toutes les dispositions du projet qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. Alors, je vais vous demander de me donner une minute que je trouve le libellé que je dois lire après des informations du genre. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on n'a pas fait, là.
Pas sûr, je vais garder mon monde. Alors, suite aux explications sur un projet de règlement lors d'une séance, les personnes et organismes présents à l'Assemblée désirant s'exprimer sur ce ou ces projets de règlement sont invités à se lever, à se diriger tout de suite au lutrin, s'identifier, indiquer leur adresse et faire part de leurs commentaires. Alors, suite à mes explications, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient prendre la parole? Correct? Alors, nous sommes maintenant à 3.2. Adoption du règlement 2024-29, amendement 2012-25. On parle ici pour les stationnements. Ce sera proposé par… Par moi, Mme la mairesse, donc, qui est proposé que le règlement amendant le règlement 2015-25 relatif au stationnement et à l'immobilisation des véhicules et abrogeant le règlement 2009-29 et ses amendements soit adopté tel que rédigé. Donc, il s'agit, Mme la mairesse, de diverses modifications au règlement sur notre stationnement. Je vais en citer trois. D'abord, on restreint la durée de temps durant laquelle un véhicule loisir, donc roulotte, VR, etc., peut être stationné sur un chemin public, faisant porter là, la durée maximale de ce stationnement de 72 à 48 heures. Ensuite, on indique qu'on adopte un nouvel article qui prévoit que nul ne peut stationner une remorque, une semi-remorque sur un chemin public, à moins d'avoir obtenu un certificat d'autorisation d'utilisation de la voie publique. Et il y a également différentes modifications, notamment relativement aux amendes. Par exemple, l'amende pour ne pas avoir acquitté son tarif de parcomètre va passer de 12 à 15. Ce règlement entrera en vigueur le 12 juin. C'est ça, le 12 juin. Donc, j'en fais la proposition. Parfait, merci. Juste pour mentionner que, les billets d'infraction, on les augmente, mais il y a aussi des frais d'administration. Alors, le montant va être quand même, c'est 3 $ de plus que qu'est-ce qu'ils sont présentement, si ma mémoire ne me joue pas de tout. Parfait. Oui. Ce sera appuyé par… Je vais appuyer Mme la mairesse. Je me permets aussi d'ajouter qu'à l'article 21.1, les vignettes de stationnement pour personnes à mobilité réduite vont entrer en vigueur également le 12 juin. C'est-à-dire que les personnes qui sont détentrices d'une vignette de stationnement pour personnes handicapées de la SAAC, donc la Société d'assurance automobile du Québec, peuvent se procurer auprès du service de la trésorerie de la Ville une vignette pour personnes à mobilité réduite. Cette vignette est soumise aux mêmes dispositions que les vignettes régulières, sauf si spécifiquement indiquée au règlement, et doit en tout temps être accompagnée de la vignette de stationnement pour personnes handicapées de la SAC. Ça va permettre à certaines personnes qui ont des difficultés de mobilité, motricité fine, par exemple, d'éviter d'utiliser nos services de parcomètre, mais plutôt d'avoir une vignette qui va leur permettre de justement se déplacer puis s'installer en ville pour venir dans nos commerces et centres-villes. Parfait. Je vous remercie, Mme Lavertière. Alors, nous sommes maintenant à l'item 4.1. Il s'agit d'une autorisation de signature d'une entente entre le ministre de la Sécurité publique et la Ville de Val-d'Or pour le remboursement des coûts admissibles engagés lors de sinistres et de collaboration en matière de gestion des risques de sinistres. Ce sera proposé par… Par moi, Mme la mairesse, que la mairesse et la greffière ou les représentants légaux soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente relative au remboursement des coûts admissibles engagés pour assurer l'assistance du Québec auprès des Premières Nations lors de sinistres et collaborations en matière de gestion des risques de sinistres à intervenir avec le ministère de la Sécurité publique pour certaines dépenses engagées par la Ville à cet effet, ainsi que tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. En fait, compte, c'est pour réclamer les sommes qui nous sont dues suite à ce qui s'est passé l'année dernière avec les feux de forêt. Je vous remercie, M. Rodrigue, et ce sera appuyé par… J'appuie cette autorisation de signature, Mme la mairesse. Merci, Mme Hébert. Alors, à 4.2, autorisation de signature d'une entente financière avec la Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or. Ce sera proposé par… Je vais en faire la proposition, donc, que la mairesse et la greffière ou le représentant légaux, soit ils sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente financière pour une durée de 3 ans à intervenir avec la Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or. C'est une entente de soutien en biens et en services, mais aussi en soutien financier.
Donc, tous les documents qui seraient nécessaires pour donner plein effet aux présentes résolutions. J'en fais donc la proposition. Merci, Mme Laverdière. Ce sera appuyé par… J'appuie cette demande d'autorisation, Mme la mairesse. Merci, Mme Hébert. 5.1, il s'agit d'une demande d'autorisation pour reporter la date du dépôt du rôle d'évaluation 2025, 26 et 27. Alors, ce sera proposé par… Je vais en faire la proposition, Mme la mairesse. Donc, en vertu de l'article 70 de la loi sur la fiscalité municipale, le rôle d'évaluation doit être déposé au plus tôt le 15 août et au plus tard le 15 septembre de cette année, finalement. En vertu de l'article 71 de cette même loi, l'organisme municipal responsable de l'évaluation peut, en cas d'impossibilité, déposer… reporter à une date ultérieure ce dépôt, mais on doit en faire une résolution. Notre évaluateur recommande effectivement au conseil de reporter la date du dépôt du rôle triennal d'évaluation. Le conseil est d'accord, donc, que la Ville de Val-d'Or reporte au 23 octobre 2024 le dépôt de son rôle triennal d'évaluation 2025, 2026, 2027 et qu'une copie de cette résolution soit transmise au ministre des… au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Morin. Ce sera appuyé par… Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Lavoie. À 5.2, demande de reconnaissance par la Corporation du village minier de Bourg-la-Marque à des fins d'exemption de taxes foncières pour l'immeuble situé au 90 avenue Perrault. Ce sera proposé par… Alors, le conseil municipal, dans le cadre de la révision périodique demandée par la Corporation du village minier de Bourg-la-Marque, ne s'oppose pas à la reconnaissance par la Commission municipale du Québec de cet organisme au fin de l'exemption des taxes foncières concernant son immeuble situé au 90 avenue Perrault, utilisé par l'organisme demandeur exclusivement. La Ville de Val-d'Or confirme qu'elle ne sera pas représentée à l'audience que tiendra éventuellement la commission afin de rendre sa décision à l'égard de cette demande. Alors ici, on parle là, de la maison sur l'avenue Perrault là, qu'on peut visiter dans le cadre là, des visites de la Cité de l'Or. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Hébert. Ce sera appuyé par… Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Laverdière. À 5.3, approbation de la liste des salaires versés et comptes à payer pour le mois d'avril 2024. Alors, ce sera proposé par… Je vais en faire la proposition. Donc, il y a la liste des salaires versés et comptes payés et à payer pour le mois d'avril, totalisant 6 995 545 soit et est approuvé tel que préparé. Notre certificat de crédit est suffisant. Petite note que j'ai remarquée, dans le fond, un des montants était attribué à Hardy Construction, donc 168 224 c'est pour une partie de Giguère, le développement sur la rue Giguère. Sinon, 242 242, c'est une dépense faite à l'UMQ pour nos assurances, une partie qu'on paye. Sinon, autre petit montant qui me permet de faire du pouce sur la consultation en transport collectif. un montant de 25 294 à Vecteur 5 là, qui nous accompagne dans cette consultation. Donc, j'invite les gens en même temps à aller voir sur notre site web et à participer à la consultation. Voilà. Parfait. Je vous remercie, Mme Morin. Ce sera appuyé par… Par moi, Mme la mairesse. Merci, M. Rodrigue. À 6.1, il s'agit d'une ratification d'ouverture des soumissions relatives à la production d'une politique environnementale et octroi du contrat s'il y a lieu. Ce sera proposé par… Par moi, Mme la mairesse, vous en aviez parlé dans votre allocution au dernier budget. Donc, la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la production d'une politique environnementale. Donc, attendu qu'à la suite de cet appel d'offres, 2 des 7 entreprises invitées ont déposé une soumission dans les délais requis, soit vote pour ça. Pour 98 477 et Helio Incorporé pour 87 610 et 95 sous. Attendu que la conformité des soumissions ait été constatée, qu'une recommandation est faite au conseil municipal d'octroyer ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme et que le conseil est bien entendu d'accord avec cette recommandation,
Il est proposé que l'ouverture des soumissions relatives à la production de la politique soit ratifiée et que le contrat soit et est octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Helio Incorporé, pour un montant de 87 610 et 95 sous, incluant les taxes. Donc, j'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Turcotte, et ce sera appuyé par? Par moi, Mme la mairesse. Je vous remercie, Mme Morin. Alors, nous sommes maintenant à l'item 6.2. Il s'agit de la ratification pour l'ouverture des soumissions relatives aux services de forage de puits, recherche en eau souterraine phase 2, secteur Val-d'Or, et octroi du contrat s'il y a lieu. Ce sera proposé par? Par moi, Mme la mairesse. On continue donc nos efforts dans cette recherche d'une source alternative en eau souterraine. La Ville a procédé à un appel d'offres public sur le système d'appel d'offres public et dans le journal local concernant les services de forage et de puits en recherche d'eau pour justement cette phase 2 de recherche souterraine dans le secteur de Val-d'Or. À la suite de cet appel d'offres, les soumissions suivantes ont été déposées dans les délais requis, soit une soumission de groupe Puy-Bec pour 85 483 $et 91 sous et puis Abitibi pour 89 531 $ et 14 sous. La conformité de la soumission du PUBLA soumissionnaire a été constatée. Il y a une recommandation qui est faite au conseil municipal d'octroyer ce contrat pour les services de forage au plus bas soumissionnaire conforme. Le conseil municipal est d'accord avec cette recommandation. Donc, comme précédemment, il est proposé que l'ouverture des soumissions soit ratifiée et que le contrat soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir groupe Puy-Bec, pour un montant de 85 483 $ et 91 sous, incluant les taxes. Donc, j'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Turcotte, et ce sera appuyé par… Par moi, Mme la mairesse. Je vous remercie, M. Saint-Jules. Alors, 6.3 ayant été retiré, nous allons aller à l'item 6.4. Il s'agit de l'octroi d'un contrat de gré à gré pour l'achat d'un nouvel abri à vélo pour, au centre multisport Fournier. Ce sera proposé par… Je vais en faire la proposition. Donc, attendu que la Ville doit procéder à l'achat d'un nouvel abri à vélo pour le centre multisport Fournier, que la Ville désire assurer l'uniformité, l'esthétisme et la continuité des équipements standards avec ceux déjà installés précédemment, que la Ville a reçu une soumission de Texport Incorporé au montant de 56 161 $ et 84 sous, incluant les taxes, qu'il est préférable pour la Ville d'octroyer ce contrat à ce soumissionnaire, celui-ci étant le même fournisseur que pour les équipements déjà installés. Alors, le conseil municipal autorise l'octroi du contrat relatif pour l'achat d'un nouvel abri de vélo pour le CMF au montant déjà mentionné, alors que Yannick Martin, coordonnateur des achats et ressources matérielles ou son représentant légal, soit autorisé à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet aux présentes résolutions. J'en fais donc la proposition. Parfait. Je vous remercie, M. Lavoie. Ce sera appuyé par? Appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Gagné. Alors, nous sommes maintenant à l'item 7.1. Il s'agit de les demandes de dérogation mineures. Alors, nous allons maintenant aborder les demandes de dérogation mineures. Si l'un d'entre vous est présent pour faire valoir un point de vue concernant une demande de dérogation mineure qui est à l'ordre du jour, je vous demande de vous lever immédiatement, vous nommer et préciser votre question et l'adresse pour laquelle vous souhaitez vous faire entendre. C'est beau. Alors, la première demande de dérogation mineure visant l'immeuble situé au 103 rue Johnson. Ce sera proposé par? Alors, une demande de dérogation mineure a été présentée par Diane Saint-Cyr et Gérard Brassard au 103 rue Johnson. Cette demande consiste à fixer à 55 mètres carrés plutôt qu'à 46,4 mètres carrés la superficie maximale au sol des bâtiments complémentaires isolés et érigés sur la propriété ci-devant désignée. Le comité consultatif d'urbanisme recommande le refus de cette demande. Le conseil municipal est d'accord avec cette recommandation. Les personnes intéressées par cette demande ont eu l'occasion d'être entendues par le conseil municipal et de transmettre leurs commentaires au cours de la période de consultation tenue à cette fin. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Hébert, et ce sera appuyé par… Appuyé. Merci, M. Gagné. À l'item 7.2, il s'agit aussi d'une demande de dérogation mineure visant l'immeuble situé au 124 chemin de la baie Carrière. Ce sera proposé par… Ici, on a une demande de dérogation mineure qui a été présentée par Stéphanie Gravel et Denis Deschênes
au 124 chemin de la Baie-Carrière, le comité consultatif d'urbanisme recommande plutôt de fixer à 5,2 mètres plutôt qu'à 6 mètres la marge de recul avant applicable du côté de la rue Le Nordique pour la propriété désignée ci-dessus. Le conseil municipal est d'accord avec cette recommandation. Les personnes intéressées par cette demande ont eu l'occasion d'être entendues par le conseil municipal et de transmettre leurs commentaires au cours de la période de consultation tenue à cette fin. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Hébert. Ce sera appuyé par… Par moi, Mme la mairesse. Merci, M. Rodrigue. Alors, nous sommes maintenant à l'item 7.3. Demande au MRNF de céder gratuitement à la ville de terrain situé dans le secteur du sentier récréatif 4 saisons. Ce sera proposé par… Par moi, Mme la mairesse, attendu qu'en 2014, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, qui est aujourd'hui le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, l'aéroport régional de Val-d'Or, Arvaux, et la ville ont convenu de ce qui suit. Qu'un terrain de 109 980 mètres carrés appartenant à Arvaux, l'aéroport, soit converti en terre publique de façon à ce qu'un sentier récréatif 4 saisons y soit aménagé. Qu'en contrepartie, qu'Arvaux reçoive du ministère un terrain de même superficie et qu'au besoin, la Ville assume le paiement du soult nécessaire à cet échange. Qu'en vertu du règlement sur les cessions à titre gratuit, la Ville se voit transférer par le ministère les rues projetées de ce développement, ainsi que le terrain échangé par Arvaux sur lequel le sentier récréatif a préalablement été aménagé. À la suite de diverses opérations cadastrales, le MRNF et Arvaux sont maintenant prêts à procéder à l'échange convenu. À la suite de cet échange, la Ville pourra demander la cession à titre gratuit pour des fins d'utilité publique du terrain comportant le sentier récréatif ainsi que des rues projetées de ce développement. Alors, que la Ville de Val-d'Or demande au ministère des Ressources naturelles et des Forêts de lui céder gratuitement à des fins municipales les lots 6,553,392, 6,563,958 et 6,563,959, ainsi que le lot projeté 6,620,879, que la greffière ou sa représentante légale soit et est autorisée à signer et à soumettre au ministère des Ressources naturelles et des Forêts tous les documents requis à cette fin. Et finalement, que la mairesse, la greffière ou le représentant légaux soit et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout acte de cession à titre gratuit à intervenir avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts concernant les lots mentionnés précédemment, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Essentiellement, il s'agit d'un échange de terrain afin de régulariser une situation, Mme la mairesse. Je vous remercie, M. Saint-Jules, et ce sera appuyé par… J'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Laverdière. Alors, nous sommes maintenant à l'item 8. Il s'agit de questions diverses. Nous n'avons aucune question diverse. À l'item 9, la greffière… La correspondance, est-ce que vous avez retenu la correspondance, Mme la greffière? Aucune? Je vous remercie. À l'item 10… période de questions réservées au public. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à venir au lutrin, à vous nommer et à m'adresser votre question. Bonjour. Bonjour. Oui. C'est ça, c'est en tout cas. Une petite question facile, c'est juste. Est-ce que vous pouvez vous nommer, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je suis Normand Roy. Normand Roy, OK. Allez-y, M. Roy. Je me demandais si la Ville de Val-d'Or, il y avait des gens qui se penchaient sur, pour augmenter la biodiversité, augmenter les espaces de verdure, puis les espaces de verdure qu'on a déjà, peut-être remplacer la pelouse par quelque chose de plus diversifié. Puis, en commentaire, je voyais comme l'espace vert qui est là, ça, je trouve ça très réussi. Il n'est pas tondu encore, puis il y a plein de plantes diverses qui peuvent pousser. Mm-hmm. Fait que je me demandais s'il y avait des. Pour les villes de Val-d'Or. Mais là, nous autres, toutes nos pelouses sont hautes de même, parce qu'on voit justement, il y avait au niveau des fameux pissenlits, mais là, quand même faire un petit bout. Mais je peux peut-être inviter M. Turcotte, là, ben oui, si vous avez de l'information. C'est des discussions qui ont cours dans différents services, puis au comité consultatif en environnement aussi. Là, c'est très dans l'air du temps de diversifier les espaces verts, parce qu'il y a toutes sortes d'études, puis c'est aussi.
une bonne façon pour nous de ne pas procéder à la tonte là, qui prend beaucoup de temps pour les employés. Donc, on est en train d'évaluer tout ça. Il y a des efforts de verdissement sur la 3e avenue. Vous l'avez peut-être remarqué, dans les derniers jours, il y a eu des plantations. Les plantations vont continuer aussi. Lundi, le 10 juin, là, il va y avoir un effort communautaire qui va être fait dans les parties. C'est des choses qui sont très d'actualité. Puis, c'est sûr qu'on continue ces efforts-là dans différentes mécaniques constamment. Merci. Je répète une dernière question. Allez-y. Je voyais au point 6.1. Je sais pas, j'ai aucune idée. C'est quoi la nouvelle politique environnementale? D'accord, lui. La dernière politique environnementale de la Ville de Val-d'Or date de 2008. C'était mon ami Francis Murphy qui l'avait co-signé à l'époque. Donc, on est dû pour une mise à jour. C'était quelque chose qui avait été annoncé là, dans les intentions du Conseil depuis longtemps. On va être épaulé par une firme parce que les politiques environnementales, c'est peut-être quelque chose de simple à l'époque. Mais aujourd'hui, là, avec, les atténuations des changements climatiques puis la préparation à tout ça, on a besoin d'aide d'experts pour le faire. Donc, on s'adjoint là. Ces gens-là, puis ça va venir, bien entendu, avec des séances de consultation pour la population. Donc, on va tracer la ligne là, pour le futur du côté environnement pour la Ville de Val-d'Or. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de la part du public? Madame Lamy. Bonjour. Bonsoir. Ginette Lamy. Je suis venue, si vous en souvenez bien, le 2 avril. Peut-être pas qu'on savait que c'était le 2 avril, là, mais on savait que ça fait quelques mois, oui. C'est ça, hein? Ça fait deux mois. Alors, c'est ça, c'est concernant encore la rampe de mise à l'eau de la rue Élisabeth. J'ai vérifié au niveau de le service d'ingénierie. OK. Ce matin, je voulais avoir un petit peu de nouvelles, s'il y avait eu quelque chose de changé. Au niveau du ministère, on me dit que ça a été refusé. Le tapis de béton, là, parce qu'on devait creuser et ça n'a pas été accepté. Je voulais savoir s'il y a autre chose de prévu pour cette descente, cette rampe de mise à l'eau. Y a-t-il d'autres projets? Y a-t-il d'autres choses qui doivent être soumises au ministère pour accommoder? Moi, je vais vous dire, il va falloir qu'on revoie. Vous rejoignez le service technique aujourd'hui, non? Vous avez appelé, vous dites? Ce matin. OK, c'est là qu'ils vous ont dit que c'était… Oui. OK. Je pensais que c'était pas le CA. OK. C'est le CA qui a été refusé. OK. Ouais. Non, bien là, je pense pas que ça a été ramené encore au conseil, là, mais il va falloir qu'on trouve une solution. Ça doit venir. Ça doit pas faire longtemps qu'ils ont eu la décision du CA parce qu'elle n'est pas venue arriver chez nous. Hein? Pardon? Hein? Bon. Mais, le suivi de ça. Ouais, on va regarder avec la direction. Oui, ce serait grandement apprécié parce que déjà que le stationnement est très adéquat et on est bien content de l'avoir, vu que l'automne s'en vient, si jamais il y a quelque chose à faire, là, ce serait apprécié. Là, je ne sais pas si on pensait à un plan B, là, mais on va rencontrer le service d'ingénierie nous-mêmes pour voir. Si jamais quelqu'un a un bateau ici, peut-être venir le mettre à l'eau. Okay. Et, ça vous donnerait une idée de qu'est-ce qu'on vit. Lui, là. Je sais que vous n'êtes pas contre, là, mais non, des fois, ça l'aide à avoir des… Monsieur Saint-Jules va aller faire sa petite saucette. D'accord. Merci. Okay. D'accord. Merci. Merci, madame. Bonjour, Maxime Martin. Oui, bonjour. Question rapide au sujet du point 3.1, là, les projets de règlement, un en particulier. Le 2024-27. Oui. La question est à savoir là, combien de temps ont les gens pour s'opposer et signer le registre. OK. Combien de temps qui est alloué pour cette période-là avant la révision du point? OK. J'ai-tu l'avis public, moi, devant moi? Je l'ai-tu donné? On disait, attendez une minute, on parlait de être reçu au bureau de la municipalité ou plus tard le 8e jour suivant la date de publication. Ça a été publié quelle journée? Après. OK, ça veut dire. Ça serait le 17. Ça se peut-tu le 17 juin ou plus loin? La semaine d'après du 17 juin. OK, 25. Donc, 8 jours après, si je comprends bien. 8 jours. Parfait. Ben, je vous remercie. Vous comprenez? Parfait. J'aime ça de même. C'est beau.
parce qu'il y en a beaucoup là, de ces points-là. Alors, si vous voulez bien, nous allons aller à l'item 11, qui est la levée de la séance. Mais je sais qu'on a toujours nos petites annonces. Ah, oui, monsieur, allez-y. Oui. Donald Fournier? Oui, okay, vous êtes dernière. Arrivé pas mal dans le bon temps. Là, j'avais presque fermé la période. Ben, allez-y. La dernière fois qu'on s'est vu, j'avais parlé, mettons, de la traverse du chemin de fer de la 7e oui. rue. Oui. Ça devient de pire en pire. Je ne sais pas si vous êtes conscient de tout ça. Oui. C'est rendu que c'est les voitures qui mangent la claque, là. Mais la partie de la voie de l'emprise de chemin de fer, c'est le CN. Ils oui. sont au courant. Alors, il faut aller taper sur le CN. Nous, la part, notre projet, nous, là, c'est à partir de la voie ferrée jusqu'à la 6e avenue. Là, avec les travaux qui se font au carrefour giratoire à Sullivan, on a opté pour faire les travaux vers la fin juillet. Mais ils vont être faits, ces travaux-là, puis je présume que quand on va les faire, il va y avoir aussi possiblement d'autres discussions, mais c'est le CN qui doit s'occuper de l'entretien de cette traque de chemin de fer-là. Je comprends, c'est rendu problématique. Ça va faire bientôt un an que c'est comme ça. Je pense là, moi, à toutes les fois, là. Et puis on les a informés à un moment donné, mais c'est pas moi le CN, là. Ouais. Je leur dis, puis si ça glisse, il n'y a pas 100 000 affaires que je peux faire, là. Je comprends, mais... On peut continuer à la... Puis moi, mon service, comme je vous dis, quand ils vont s'arrêter là pour refaire tout, ils vont revoir encore avec eux autres, mais, si je veux dire, même si je fais ça, là, s'il y a plusieurs de ces voies ferrées-là qui ont besoin d'amour, là. Ben, je comprends le principe, c'est juste qu'il faut mentionner qu'est-ce qui ne va pas. Oui, puis il faut écrire aussi... savoir l'heure du... Je suis d'accord, puis peut-être, avez-vous déjà tenté aussi de les... Je sais que c'est plate de se faire dire par quelqu'un, bien, c'est pas nous autres, mais c'est pas nous autres. Moi, on les a informés, on sait qu'on travaille sur le projet, puis rendu là, peut-être qu'on va avoir plus de pogne, mais pour le moment... Bien, s'il faut, mettons, que je m'implique du côté du CN, ça me fait plaisir. Mais j'ai pas compris. S'il faut que je m'implique, là, ben, pour okay, appeler le CN... Ben, j'ai eu peur, là. Non, mais ça en réalité... Tente, par exemple? On va mettre du béton. Au niveau de... Si vous voulez vous impliquer, contactez-les. Oui. OK. Ben, c'est regarde, pas c'est... évident, je le sais, là, mais... Ben, la première approche, mettons, il y a deux mois, on a parlé ici. Oui, on a parlé en puisqu'on faisait la réflexion. Que ça aboutisse quelque part. Mais là, s'il faut que je vérifie sur mon côté... Moi, je pensais que vous nous parliez du dossier de la piste cyclable à partir de la voie ferrée, pas nécessairement la voie ferrée. Puis par après, j'ai passé, puis je vais parler de ça, là, parce que j'ai... Oui, non, c'est vraiment la voie ferrée. Oui, OK, ouais. Parfait. Parce on va souhaiter que ça... Ah, parfait. Au moins, il est meilleur que la mairesse. On le salue, d'ailleurs. OK. Bon, c'est parfait. Puis on espère toujours notre mise à l'eau à sa rue à Élisabeth. Oui, absolument. On va se tenir les doigts croisés. avant de vous donner la parole, vous allez me permettre de faire un suivi en lien avec une intervention qui a eu lieu la semaine dernière, là, lors de la dernière séance du 21 mai dernier. Alors, le syndicat canadien de la fonction publique est venu exposer aux membres du Conseil les résultats d'une analyse qu'il a effectuée à la suite d'une demande d'accès à l'information. Ces données portaient sur les départs d'employés de la Ville de Val-d'Or pour les trois dernières années et plus particulièrement au niveau des travaux publics. Après vérification, le taux, parce que je ne veux pas, j'avais dit qu'à un moment donné, j'adresserai une fois que je pourrais prendre connaissance quand même de cette information-là. Alors, après vérification, le taux de roulement des employés aux travaux publics se situe à 24 %, exactement le taux moyen que l'on observe présentement au Québec. Alors, on va voir le taux de roulement des employés au Québec, c'est 24 %, c'est exactement ce qui se passe au niveau des travaux publics. Notre taux de roulement global, c'est-à-dire pour toutes les
catégorie d'emploi à la Ville de Val-d'Or se situe quant à lui à 12 %. Comme employeur, la Ville de Val-d'Or n'échappe donc pas à cette réalité qui touche l'ensemble du monde du travail. N'en demeure pas moins que l'attraction et la rétention des employés sont un défi pour la Ville de Val-d'Or. On doit y faire face à tous les jours. Vous voyez, des fois, on a des postes qu'on doit annoncer à plusieurs reprises avant de pouvoir trouver un candidat. Mais dans le cadre des négociations qui sont présentement en cours, le conseil municipal réitère sa confiance en la table de négociation qui, je sais, travaille très fort pour arriver à une entente. La Ville de Val-d'Or est un employeur de choix et nous souhaitons le demeurer. Alors, c'était l'information que je voulais vous partager. Nous allons ensuite passer à nos annonces communautaires. Je pense que c'était vous, M. Martin. Oui, oui, j'en ai deux, en fait. Oui? Okay. Alors, dimanche prochain, le 9 juin, premier marché public, la Ville de Val-d'Or sera là parmi 32 exposants pour la distribution de plants. Donc, c'est de 9h30 à 13h30. Donc, pour les plans, je pense, hein, ou c'est mm-hmm. pour tout… Excuse-moi de vous avoir interrompu. Pour tout le monde? Oui. OK, excusez-moi. Absolument. Et pourquoi pas parler également de l'inauguration du parc du Château d'eau du côté de Sullivan. Ça, c'est le 15 juin, donc samedi, dans deux semaines. Il y aura un dîner hot dog en collaboration avec les Chevaliers de Colomb. Ça, c'est de 11h à 14h. Donc, on est bien heureux d'enfin inaugurer ce bel endroit. Oui, il va falloir se le partager. Hein. J'ai fait la moitié du travail. Je vais tout te laisser à la place. Parfait. Il faut juste s'en rappeler. Je vous taquine. Alors, maintenant, Mme Morin? Oui. Donc, à partir de cette semaine, c'est le début de l'horaire estival pour les bureaux administratifs de la Ville de Val-d'Or. Donc, tout l'été, en fait, du 7 juin au 31 août, les bureaux administratifs seront fermés en après-midi, les vendredis. Les travaux publics, eux, ont réaménagé leur horaire de travail, donc ils sont en congé les vendredi toute la journée, mais divisent leur heure de travail sur 4 jours semaine. Cet horaire est bon pour les bureaux administratifs seulement, donc bibliothèque, infrastructure de loisirs, de sport, tout ça va demeurer admissible et ouvert à la population. Donc, juste pour pas que vous vous réveillez un vendredi après-midi dans nos bureaux administratifs, tout simplement. Ouais, c'est comme ça depuis plusieurs années. Hein? Oui. Parfait. Alors, Madame Laverdière, oui, allez-y. La première semaine du mois de juin, c'est la semaine des personnes handicapées. Et encore cette année, il y a une programmation pour toute la semaine. Et en fait, il y a une activité chaque jour de la semaine. Donc, on est déjà rendu lundi le 3. Je me permets de dire que demain, il y a un 5 à 7 dans les locaux de Vie autonome de l'Abitibi-Témiscamingue pour mettre en valeur les efforts d'inclusion en emploi d'employeur valdorien. Le 5 et le 6 juin, il y a différentes activités pour avoir une sensibilisation justement à différents types d'handicap. L'autisme pour le 5 et le 6, c'est au Parc Albert-Dumais, c'est gratuit. Donc, un dîner hot dog de 11h30 à 14h, mais ça permet d'essayer des simulateurs d'handicap, juste de se mettre dans la peau un peu de quelqu'un qui a un handicap moteur, visuel ou auditif pendant quelques instants, juste pour voir les obstacles, les vivre. Ça nous rappelle un peu à… Oui, ça nous fait du bien un peu. Ouais. On termine la semaine avec une grande soirée dansante vendredi le 7 juin. Je vous invite à aller sur le site de la Ville de Val-d'Or, Accessibilité. Il y a toutes les informations, il y a des inscriptions, il y a des numéros de téléphone, les adresses. Ça vaut la peine de se renseigner. Alors, elle a bien fait ça, madame? Oui, parfait. Merci. Alors, merci à vous tous. Nous allons… Ben oui. Bonjour, madame la mairesse. Bonjour. C'est Fierté Val-d'Or du 6 au 9 juin. Donc, pour connaître plus de détails sur la programmation, je vous invite à consulter la page Facebook de l'organisme. Très dynamique, donc, il y a 4 soirées festives qui sont proposées. Puis, j'invite la population, bien entendu, à la marche de la diversité ce dimanche à 14h. Donc, encore là, pour les informations, vous rendre sur la page Facebook de Fierté Val-d'Or. Je vous remercie. Alors, on va être occupé. Ouais. Alors, vous savez, notre prochaine séance est le 17 juin prochain. Alors, vous êtes tous invités encore à venir nous rencontrer.
Je vais prendre une levée de la séance. Ce sera proposé à 8h12. Ce sera proposé par… Par moi, Madame la maire. Merci, M. Turcotte. Et ce sera appuyé par… Par moi. Merci, M. Lavoie. Alors, on vous souhaite tous une belle semaine. Merci.